prière pour la parole, nous disons, Père Céleste, j'ai quitté ma maison, Père Seigneur d'adoration, pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé ma louange, mon adoration. Père, prépare mon cœur à recevoir la vie à travers ta parole, car elle est vie pour moi. Je la reçois aujourd'hui avec foi au nom de Jésus-Christ. Et quelle sera la parole qui va me libérer aujourd'hui? Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Je prends de tout cela. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Les cœurs, vous comprenez ce qui se passe. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est le temps de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Amen. Cette série de David, je vous prie. Amen. J'ai rentré à la maison, je m'excuse, je suis en retard pour la coupure des vidéos, mais même dans les directs, allez sauter juste dans l'enseignement, resuivez ça. Amen. Ça va transformer ta vie. Quand Dieu dit David l'homme selon le cœur de Dieu, en fait Dieu me dit, si tu veux plaire à Dieu, sois comme David. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois comme David. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous continuons dans cette série. On était dans la sous-série des femmes de David. David, vous savez, il était polygame. Toi, la cherche pas, il était polygame aujourd'hui. Alléluia. Dis ne plus ce état-là. Amen. Alléluia. Amen. David était. Et avait plusieurs femmes clés dans sa vie. Dans chaque femme, parce qu'il n'y a rien qui mentionne la Bible pour rien, Dieu nous enseigne une attitude à avoir. Dieu donne un message. On a vu avec Abigail, la femme de bon sens. On a vu avec Michal. Vous voyez un peu comment l'ignorance spirituelle peut tuer. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons d'une partie. C'est un enseignement très, très profond et qui doit réveiller les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de Bathsheba. Bathsheba, c'est comme une malédiction, bénédiction de David. Bathsheba, c'est la faute et la miséricorde de Yahvé. Bathsheba arrive dans la ville de David, pas à cause d'elle, mais à cause d'un roi qui était distrait. Alléluia. Par Bathsheba, la malédiction est arrivée dans David. Dieu a pardonné, mais elle a subi des enfants, mais Dieu l'a béni aussi par elle, Bathsheba. Très subtil et très compliqué l'histoire de Bathsheba. Et j'ai eu beaucoup de. À résumer l'enseignement, c'était beaucoup de choses. Je devais vous donner quelques pages. Je me résolus à vous donner 1h15 de plus, pas beaucoup, pour passer à autre chose. Parce que j'ai comme l'impression que jusqu'à 2025, on va terminer pas tout ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il y en a beaucoup. Alléluia. C'est pour aller suivre l'enseignement. Ne soyez pas juste. Suivez les enseignements. Amen. Et apprenez à les apprendre aux autres. Amen. Donc aujourd'hui, vous voyez l'homme, selon le cœur de Dieu, la partie 16 de l'enseignement, Bathsheba, la faute et la miséricorde de Yahvé. Alléluia. Alléluia. Enverrait David. On peut aussi dire l'erreur et la bénédiction. Ou la faute et le pardon de Dieu. Alléluia. Et Bathsheba arrive. Dans quelle étape de la vie de David? Bathsheba arrive dans une étape, je dirais, de quiétude, de victoire, où David est plein de succès. Plein de succès. Et vous allez voir, quand vous allez lire, on va aller pas tout lire, quand vous allez lire dans le chapitre 8, laissez-moi suivre ça à la maison, vous allez le chapitre 8, le chapitre 5, il va battre deux fois les Philistins. Ça, c'est un autre enseignement que je vais donner dimanche prochain. Comment Dieu, avec le même ennemi, mais Dieu te change les stratégies, comment combattre. On va voir ça dans trois dimanches. Je voulais parler de Bathsheba aujourd'hui. Alléluia, ça va prévenir beaucoup de choses, ça va garder beaucoup de gens. Amen. Et vous allez voir au chapitre 5, il bat les Philistins deux fois. Et vous allez voir que, et au chapitre 8, il bat les Philistins, les Moabites, les Syriens, les Étonites. Tous, il les bat. Donc, il est dans un état de victoire. Alléluia. C'est alors que
l'incident malheureux arriva. Alléluia. Amen. Pour nous dire quoi? N'est-ce pas en fait la Bible dit tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors que tu es fort, tu es parti dans ta gloire. L'ennemi est derrière pour te tendre un piège. Alléluia. Il n'y a pas de repos pour un vrai chrétien jusqu'au retour de Christ. On va dire, bon, il dit, je vais relâcher un peu. Ah, cette année, je vais aller à la plage. Il y a des New Jersey. Je suis jamais parti là-bas. Je vais à la plage. C'est alors que l'ennemi va venir te ronger. Tu resteras enfant de Dieu. Tu resteras l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ça va te coûter. Ça va te perdre beaucoup de choses. Ça va être pénible pour toi. Alléluia. Mais tu es la faute et la miséricorde de Yahvé. Je vais demander à mon fils qui vit donner un micro avec oui, donner à Kevin ce micro là de nous lire 2 Samuel chapitre 11 du verset 1 au verset 15 et puis je vais lire du verset 24 à 27, et puis on va résumer, on va commencer la semaine avec ça. Tu lis, et puis on va prier. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Samuel, chapitre 11. Ta voix n'est pas forte aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai un peu la... Ok, ça va finir au nom de Jésus-Christ. Oui. Lui, ça va finir. Amen. 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 L'année suivante, Amen. Au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hessien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri, le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison ?» Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'enivra, et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Oui, amen. Je continue au verset 25. David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas payé dans cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse là. Et la femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura, car elle fut passée. David l'envoya chercher, la recueillit dans sa maison, et devint sa femme, lui enfantant un fils. Ce que David avait de plus à l'éternel. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton sang pour la révélation de ta parole. Saint-Esprit, Seigneur, merci encore de nous enseigner. Seigneur, nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons essayé de prier. Amen. Je disais donc que cela arrive
Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme des victoires, l'homme qui craignait Dieu, l'homme qui n'a pas vu porter la main en haut de l'Éternel qui voulait le tuer, l'homme qui s'est gardé de toutes choses, l'homme qui était adulé, à un moment donné, a pris une série de très grandes victoires. Allez lire le chapitre 5, le chapitre 8 à la maison. Je vais juste en résumer quelques heures au chapitre 8, verset 6. David mit les garnisons de la Syrie et de Damas. Les Syriens firent assujettis, lui payèrent un tribut. Dieu protégeait David partout où il allait. Hein? Et au verset 14, il mit les garnisons à Edom, donc chez les Edomites. Il mit les garnisons dans tout Edom. Tout Edom fut acheté à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Alléluia. Et vous allez voir que il a battu tous ses ennemis. Mais il a oublié une chose, que les guerriers ne se reposent pas. Les guerriers, si tu es appelé à être un guerrier dans le Seigneur, tu es un chrétien né de nouveau. Oublier un temps, la passivité ne peut pas être là. La oisivité ne peut être dangereuse pour toi. Tu dois être tout le temps, pas dans la peur, mais en alerte. Vigilant, comme dit la Bible. La vigilance dont Jésus parle concerne tout ce qui est comme distraction. Vous savez que les diables, pour t'avoir, si c'est que tu vas pas, il est stratégique, il ne comprend pas. Il agit étape par étape. Étape par étape, nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Après une série de victoires contre les Philistins, les Moabites, les Syriens, les Édomites, habitués aux victoires, David s'est relâché. Il est devenu distrait. Nous voyons au chapitre 11. Et l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Donc c'est le temps où les rois vont faire la guerre. Les guerres de l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui avec les missiles, non. Vous mettez en campagne, vous allez à un endroit où on va se rencontrer quelque part, les autres sont de l'autre côté, vous de l'autre côté, et vous venez vous battre. Voyez un peu. C'est le roi où tous les rois se mettaient en campagne. Et David a envoyé Joab, son général, avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les Ammonites. Vous connaissez les Ammonites? C'est les descendants de Lot. Vous voyez un peu, c'est les descendants de Lot, c'est les enfants, ils sont dans une perversion, j'ai enseigné ça sur eux. Dans un enseignement, vous pouvez suivre ça. Et pour acheter Rabat, leur ville, mais David resta à Jérusalem. Alléluia. Il resta à Jérusalem parce qu'il avait l'habitude de gagner. Quand tu as l'habitude de gagner, quand tu as l'habitude d'avoir de bonnes réponses tout le temps dans ta prière, tout le temps, faites attention. À un moment, tu vas croire toujours que ça sera toujours la même chose. Faites très attention. Tu vois, l'auto-examen personnel est très important. Alléluia. Tu vois, des fois, un échec est plus important qu'une victoire qui va te distraire. Un échec qui va te réveiller est plus important qu'une victoire qui va te distraire. Parce que la chute qui vient après la victoire, elle fait très très mal. Donc David assurait de sa victoire et a confié à son armée, à ses généraux, il dit, moi je vais rester à Jérusalem. À ne rien faire, à jouir un peu de sa royauté, à se reposer. Un soir, David s'éleva de sa couche. Un soir, il s'éleva de son lit. Rappelez-vous qu'il avait déjà, il avait Abigail, il avait Michal, il avait les concubines de Saul, il avait toute une curie de femmes. C'est pour dire que Saul, c'est un grand traître. Vous comprenez la chair? C'est un grand traître. Vous voyez un peu? Et puis, il se lève d'un coup, s'est promené sur le toit de la maison. Donc l'armée est en guerre. Lui, le roi, il se promène sur le toit de la maison. Alors la famille royale est très élevée. À l'époque, quand vous comprenez le contexte, et souvent, là où les gens se lavaient, n'étaient pas couverts en haut. Donc là, ils avaient, c'est un peu comme dans certaines régions africaines avec les seaux, mais en haut, que personne ne voit. Mais le roi, lui, il commençait à mettre dans le coudis. Il commençait à regarder. Mais voir comment ça, il a aperçu une femme qui s'est baignée, elle était très belle de figure, et David fit demander qui est cette femme. On lui dit, n'est-ce pas, bâchée ma fille des larmes. David a envoyé les gens pour la chercher. Elle vient vers lui, et puis il dormit avec elle, et après c'est purifié. Et puis, elle se retourna dans sa maison. Vous voyez là que ce qui est arrivé à David peut arriver à n'importe qui aujourd'hui. L'homme selon le cœur de Dieu. Comprenez le message que nous donnons depuis 15 dimanches. C'est-à-dire que quand tu crains Dieu, tu dois faire très attention. Moi, je ne suis pas surpris qu'un grand serviteur de Dieu tombe un jour. Je ne suis pas surpris de ça. Il ne faut pas relâcher la vigilance. Il ne faut pas aller contre les principes de Dieu. Il faut être tout le temps vigilant selon les principes de Dieu. C'est tellement important.
La oisivité à ne rien faire va t'amener, va tourner tes pensées vers ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui là, tu n'as pas besoin de voir Bécheba sur le toit de à la vidéo, tu as Bécheba. À YouTube, tu as déjà Bécheba. Tu as déjà tout ce que tu peux faire pour t'amener déjà dans le mal. Alléluia. Nous comprenons bien aimé. Donc, l'habitude de victoire est un risque de devenir oisif. Dans n'importe quel, même dans les armées habituelles. Une armée qui est habituée à trop de victoires peut être surpris à un moment. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi qui est en face. Notre ennemi s'appelle les rusés des diables. Il est l'ennemi juré des chrétiens. Il cherche partout. Toi, tu as trop, tu as souffri, fait souffrir, tu as chassé les démons, tu pries. Quand tu pries à l'âme, tu sais, mais quand tu pries à l'âme, c'est des multitudes de démons qui fuient. Ils sont en train de chercher. Lui, on va la voir en combat. Mais on pense que lui regarde trop. On va utiliser ses yeux pour regarder. Vous comprenez un peu? L'ennemi est stratégique. C'est bon, il ne faut jamais, comme j'ai dit dimanche passé, on ne sous-estime pas, on est, il y a 22 dimanches, on dit que ça, l'éternel il réprime. On ne sous-estime pas Satan. Il est très dangereux. Si tu es arrivé à tenter le Seigneur de vouloir dans les pensées, Jésus a dit les 40 jours, il est venu les tenter. Mais il ne peut pas te tenter. Et trompe-toi. Alléluia. C'est pourquoi il nous a fait grâce hein, de celui que nous avons beaucoup élevé aujourd'hui, on donne le Saint-Esprit, pour nous aider à nous échapper à ces choses, à être vigilants. Mais le Saint-Esprit, quand tu ne l'actives pas par la prière, tu ne l'actives pas par les choses dans la lecture de la parole de Dieu, il n'agit pas. Vous comprenez un peu? Quand tu es distrait, mais il est attristé. Alléluia. Donc quand tu as l'habitude de beaucoup de victoires, il y a un risque que tu deviennes oisif, distrait et être séduit. Alléluia, ces jours-là, lui, il restait à Jérusalem. Le grand commandant. Vous allez voir, après, même quand il était venu, il voulait toujours aller au combat parce qu'il avait pris une leçon. C'est que j'ai aimé de David, et la force, là, quand il y a un vrai homme de Dieu, une fois le diable est amourdi, il te montrera une seconde fois. Il va tirer beaucoup de leçons. Hein? Il y en a ici qui peuvent me dire ça. Hein? Alléluia. Qui tire beaucoup de leçons, une fois dit, hein? Hein? Comme on dit dans la balade, quand il y a pas de bonheur. C'est-à-dire que ceux qui étaient avec nous sont déjà brûlés, donc moi je ne brûlerai pas. Alléluia. Amen. Parce que chaque fois que tu sors la oisivité, chaque fois que tu as habitué aux victoires, parce qu'il y a des. Satan, il va te laisser dans la victoire. Il sait qu'à un moment donné, quand tu es vraiment dans la victoire, tu vas te relâcher. C'est pourquoi Dieu dit, par exemple, aux enfants d'Israël, quand vous allez dans les pays de Canaan, ne m'oubliez pas. Quand après une victoire, il faut tenir ferme dans la victoire. Ce n'est pas le moment de reculer. Ah, j'ai entendu des gens dire, hein, on a trop gêné en Afrique, ici en Occident, donc je ne gêne plus. J'ai entendu je parler de ça. Ici, les pasteurs vont me dire ça. C'est pourquoi la puissance n'est pas là, c'est pourquoi ils sont dans des ordres incroyables. Il n'y a pas un moment où tu dis, je vais m'arrêter dans les principes que Jésus m'a enseignés. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. David n'a pas veillé à ce moment-là. Il aurait même dû prier pour son armée. Il aurait pu. Non! Il était calme. Et puis la nuit s'est promenée. Il a regardé. Il a oublié, Dieu lui a rappelé. Tout ce que j'ai donné comme femme, tu ne l'as pas vu. Tu as vu la femme de trouver. Mais ce n'est pas David, c'est le diable. David a juste permis par son attitude à ce que le diable puisse en profiter pour attiser quoi? La convoitise des yeux. Vous comprenez un peu? Ces histoires ici-là, quand elles ne sont pas sanctifiées, tu dois. Moi, tous les jeunes gens qui ont gagné, on dit quand tu vois, ça dit, oh non, c'est ce que je ne regarde pas. Mais... tu passes, n'aie pas honte. Quand il dit ça, tu vas voir, les diables disent, mais quand il a compris, il va dire, il a compris. Mais quand il dit, non, là ça va pas. Alléluia. Amen. Parce que ta parole, Dieu sait que, je vous ai parlé des types, lui on a parlé de ça, je vais dans le texte de Romain. Hein? Dieu sait que ce corps, Paul l'appelait le corps des sept morts. Quand tu veux faire le bien, le mal qui est attaché à toi prend le devant. Mais toi tu dois te fermer, dis non, le mal qui est la vieille nature ne prendra pas avantage sur moi. Mais garde à toi, quand tu es dans le repos, il va se réveiller. Toi, au lieu de passer la Bible, tu penses. Il y en a même qui passent des films, hein, les chrétiens passent des films. Mais le film, c'est un théâtre que quelqu'un a écrit. Comment tu peux passer un film? Tu ne te trouves pas idiot? Hein? C'est le passé chaud de la vie, toi, tu passes à un film. Non, les films, c'était bon. Ils avaient donné le coup comme ça. Non! Hein? Ça, c'est pour
voulait aider, les enfants l'aider, même ses enfants l'aider. 9-10 à la maison de prière, on veut, c'est pour ça qu'on réunit chaque semaine, on veut justement avec des dessins animés de Jésus-Christ, pas de n'importe quoi. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, il n'est pas tenir ferme des impressions que nous voyons, et après avoir tout surmonté, est très dangereux. Nous sommes contents, et moi, premièrement, je vais vous dire en premier ici, j'aime voir les succès dans vos vies. Je m'entends des coups de fil qui m'appellent, je suis béni, je suis délivré, je suis guéri, j'ai trouvé ce que j'ai cherché, j'ai trouvé ceci, je suis content, je me suis marié, je veux tout ça. Mais que cela ne soit pas le but de votre vie. Hein? Oui, j'ai eu les papiers d'immigration, c'est une bonne chose, ma fille. Mais après avoir eu les papiers, où est-ce que tu étais? Tu es retourné dans les choses plus basses. Après, tu appelles, papa, j'ai encore des problèmes. Mais tu as encore des problèmes. Les succès que Dieu te donne doit servir de fondement pour demeurer encore, pour que le principe de Jésus qui nous a donné de gloire en gloire puisse s'accomplir à nous. Alléluia. Amen. On ne regarde pas derrière. Nous comprenons, bien aimé. Kevin, dis-moi un peu Éphésiens 6, verset 11 à 10 à 11. Donc, vous voyez la première chose, là, donc, les habitudes de victoire ont un risque de devenir des oisifs. Lis. Et faisait ce verset 10 à 11, et puis je vais réveiller certains textes encore. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 6, verset 10 à 11. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Et au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez des fois pourquoi c'est dedans de vous. C'est un chose, Dieu l'a laissé comme des charges. Il ne veut pas enlever ça parce que vous savez le Seigneur. Dieu, quand il voit que tu ne peux pas gérer les succès, qu'il t'aime, il va te donner ces succès-là maintenant. Il va attendre le moment où tu es mûr. Parce que pour Dieu, ce qui t'intéresse, c'est pour Jésus, c'est que nous soyons au ciel. Ce n'est pas que tu puisses avoir les choses de la terre. Mais quand il voit que la chose de la terre que tu demandes là, risque de te faire chuter, de te faire reculer dans le royaume de Dieu, il risque de te faire attendre encore un peu. Alléluia. Nous comprenons cela. C'est pourquoi des fois, Dieu nous laisse dans certaines choses comme la veuve qui venait vers Jésus nous faire dans la Ligue 18. C'est une chose qui n'arrive pas automatiquement. C'est la raison pour laquelle l'Esprit me disait hier que certaines réponses de Dieu ne viennent pas automatiquement. Sinon, tout vous serez des paresseux, le diable va jouer avec vous. Il y a certaines choses que Dieu veut que tu demandes. Quand tu n'as pas demandé, tu fais quoi? Tu cherches. Quand tu cherches, tu as trouvé, tu fais quoi? Tu frappes. Ça demande des dons de prière. Mais pendant ce temps-là, tu ne peux pas, tu n'es pas distrait. Tu n'es pas distrait. Hein? Quand tu as tout eu, tu restes de l'année comme David. Tu es calme. Et tu commences à te lever la nuit. Bon, au lieu d'aller dans les chambres qui sont dans les palais, tu regardes en haut. Hein? Nous comprenons, mes bien-aimés. C'est tellement important. C'est vrai que quand nous allons dans la Ligue du Jude, verset 1, elle lui dit, et Jésus leur montra cette parabole pour toujours montrer qu'il ne faut pas. Qu'il faut montrer, il faut toujours prier le point, hein, se relâcher. Et ce genre de choses, des fois qui traînent, c'est moi qui dis aux enfants de Dieu, quand quelque chose traîne, c'est une opportunité que Dieu te donne de grandir spirituellement. Il y en a qui me parlent, oh, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est ça. Moi, je vous connais presque tous ici. Hein? Dieu m'a fait une grâce de quelque chose, je ne sais pas si on est combien dans le monde, mais je connais la personnalité de chacun d'entre vous. Tu connais? Je connais vos cœurs. Des fois, je ne vous dis pas. J'ai fait ce que j'ai pris pour vous, je ne vous dis pas. Mais c'est des choses quand ça traîne. C'est pour que tu restes éveillé. Parce qu'il y a Dieu qui a quelque chose de plus grand que toi. David a failli perdre beaucoup dans cette histoire. Heureusement que Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa miséricorde. Amen. Heureusement. Alléluia. Quand tu vois quelque chose traîner, tu te mets dans la prière. Et quand tu te mets dans la prière, tu n'es pas distrait. Amen. Tu ne te relâches pas. Si toute chose nous était donnée comme ça, pouf, oh, comme dans les années 95 à 98, oh, c'était terrible avec moi. C'était comme ça, tic, on pouvait me donner un petit contact. Tout le monde me priait comme ça, pa, 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 pa.
Hein? Ça c'est dangereux des fois. Des fois, il va te croire. Mais un jour, Dieu me dit, sur la rue à Cali, je vais dire, ça. Laurent, va, pense que je vais dire, je prends plaisir à la miséricorde. Vous comprenez un peu? Ça, c'est des principes de Dieu, savoir. Et on a vu ça à l'étude biblique, Romains chapitre 2, verset 1. Hein? Et qui es-tu qui juge d'autres en faisant la même chose? Tu ne peux pas juger les autres si tu fais la même chose que toi tu fais. Tu peux pas dire qu'il est critique, mais toi il critique en même temps et puis tu le juges. Ça ne marche pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, c'est important pour toi, enfant de Dieu, de comprendre que quand tu es oisif ou tu es passif, tu es réveillé la nuit, il y en a qui m'appellent, pasteur, hier, j'ai pas dormi. Quand on m'appelle, hein, tout le monde a dit, j'ai appelé pour me dire, je n'ai pas dormi. Je me pose la question, mais qu'est-ce que tu faisais quand tu n'as pas dormi? Tu étais oisif, tu étais tourné sur le lit à penser. Mais là, le diable va te séduire. Quand il y a un somnolent, dit chrétien, l'insomnie des chrétiens, c'est un appel à la prière. Quand il sent que tu es réveillé, allez, mets-toi à genoux, loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu, prie. Au moins, tu aurais passé la nuit à prier, au lieu à rester soumis à cette souci. Oh, pourquoi je ne dors pas? Pourquoi je ne dors pas? Pourquoi je ne dors pas? Non! Toi, passe tout ça en prière, poursuis les têtes de demi à ce moment-là. Et dis pas que quand tu vas dormir, tu vas te réveiller, tu vas être en forme. C'est le principe de vie, mes bien-aimés. Mais quand il dit, ah, j'ai pas pu dormir, ah, je vais pas lire la Bible parce que j'ai pas dormi, moi je te comprends pas. Réveille-toi, prie. Hein? Il y en a qui disent, ah, j'ai pas dormi, moi. Comme c'est, j'ai pas dormi, la prière est 5 heures, je n'entre pas. Non! Réveille-toi, entre, même si tu as dormi. Moi, les 10 jours, je dors à 3 heures, à 5 heures, je suis debout. Alléluia! C'est le principe que Dieu nous montre aujourd'hui, je vais m'attarder sur ça, de ne pas être distrait, de ne pas perdre la vigilance. Parce que nous avons un ennemi qui est rusé. Paul dit, parce que contre une ruse du diable, à tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand tu as gagné, quand tu as la victoire, la chute n'est pas loin. Il faut faire très, très attention. Elle viendra comme David qui s'est retrouvé calmement en train de se promener toute l'armée. Et l'arche de l'Éternel n'était pas dans la ville. Ouri, je vais vous parler de ça après. Ouri, un simple militaire, avait la révélation de l'arche de l'Éternel qui était avec, dans le combat. Et n'est pas voulu aller vers sa femme à cause que l'arche de l'Éternel était en combat avec les militaires. Le roi était distrait. Alléluia. Le roi était distrait. La victoire ou la position que tu as, même les dons que Dieu t'a donné de l'apostolat que tu as, ne fais pas de toi quelqu'un à qui Dieu fera exception si tu marches mal selon le principe. Vous comprenez un peu? Dieu ne fait exception hein, des personnes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ pour toi. Omashikene Ramakaya. Nous glorifions son nom, que son nom soit béni. Deuxième chose. Et donc, il faut aimer combattre. Hein? Aimer être dans le combat. Parce que si tu n'aimes pas combattre, tu ne combattras pas. Tu vas dire, oh, c'est trop! Mais qu'est-ce que tu me fais, ce genre? Mais c'est ton ennemi, c'est Satan, tu veux vivre pitié de toi. Toi qui t'as dit de dire Jésus est mon Seigneur. Quand tu as dit Jésus est mon Seigneur, ça t'a dit, hé, petit, tu es mon ennemi. Mais lui, c'est toi parce que toi, il a été vaincu à la croix de Calvaire. Toi, prends tout ce que la croix t'a donné, revêt-toi les armes spirituelles, lutte. Quand tu es dans un combat, ne laisse pas. Moi, des fois, on peut quitter ici, on peut quitter une vieille ici, j'arrive à la maison, je prie encore. Parce que c'est moi qui ai conduit la prière, je ne sais pas combien de démons qui vont poursuivre la nuit. Hein? Je ne veux pas dire, ah non, je rentre chez moi, je vais manger, vous faire certaines choses, hein, et certaines choses. Hein? Non! Pas ces jours-là! Vous comprenez un peu, mes bien-aimés? Hein? C'est comme ça qu'il y a des pasteurs comme ça, là, qui ne comprennent pas. Dimanche, c'est un jour de guerre. Samedi, il fait comme tout le monde. Il s'est distrait comme tout le monde. Il jouit de sa femme comme tout le monde. Et il vient dimanche à l'église. Il va avoir de puissance, cet homme-là. Non! C'est quelqu'un qui ne comprend pas le principe. Alléluia! Vous comprenez, mes bien-aimés? Et devenir chrétien, ce n'est pas une blague. Tu dois devenir un chemin de Dieu depuis le temps déjà jusqu'à présent.
quoi? Et forcé. Ce sont les violents qui s'en rapportent. Ces violents, c'est des gens qui sont violents en prière, violents à l'obéissance de la parole de Dieu, violents par toute proposition du mal, qui résistent à ce que le diable propose. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est la grâce. J'aime bien les publications de mon fils Kevin a fait des semaines sur la grâce. C'est bon, mais je n'ai pas voulu trop commenter. J'ai dit, bon, il comprend la grâce, mais il y a encore une personne de la grâce qui s'appelle aussi le combat. Dans la grâce, il faut combattre. Dans la grâce, il faut résister. Quand il dit résister au diable, il fera loin, c'est pas dans cette demande, c'est dans la grâce. Et si c'est pas passé, justement dans la grâce, tout ce que Dieu nous a fait à nous, participer à sa gloire. Donc nous avons ses armes, nous avons sa puissance, nous avons son esprit. C'est pourquoi? C'est pour combattre le mal. Alléluia. Alors toi, l'esprit est à toi. Tu dis, quelqu'un m'a appelé, dit, ah, mais il fait quoi ces gens? Il fait ta mort. Toi, tu ne peux pas l'idée. Hein? Les gars, ils sont jamais notre mort. Vous devez savoir ça. Hein? C'est quoi quand vous avez un sorcier dans la famille? C'est que le sorcier qui est dans la famille ou la sorcière veut votre mort. Ne vous trompez pas, parce que les sorciers mangent les gens. C'est pas de la blague. Blanc ou noir. Sauf que nous ne pouvons pas avoir la haine envers eux. Nous devons lutter avec les armes spirituelles. Alors ne dormons pas. Ne dormons pas, non. Aïe, oh, j'ai mal ici. J'ai mal ici. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non. Réveille-toi. Résiste parce qu'ils ne peuvent pas te vaincre parce que tu es de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas te vaincre. Troisième principe. Ne rien faire, être oisif est un grand danger spirituel. Même ce qu'on appelle la passivité. Nous, comme chrétiens, on peut avoir une méditation passive. C'est-à-dire que tu viens, je fais le vide. Non! Les démons vont entrer en toi. Tout le monde qui fait le yoga, les démons entrent à eux. Tout ce qu'ils font là, c'est. Moi, j'ai fait des apparitions. Hein. Mon ami qui était mon maître était quoi? 6e, 6e dame, je ne sais pas combien de Shotokan. Moi, je pouvais faire simple. Donc, je pouvais sauter sur cette salle. J'ai crié, bam! Je chute juste à la fin de la salle. Là-bas. Ah, ça c'est la vérité, hein? Hein? On m'appelle Miskas. Hein? Hein? Et puis je me promenais comme ça, toujours avec un jean, avec des trucs comme ça. Même j'ai vu mes photos, moi il va me l'amener un jour. Alléluia! Dans le monde, je connais. Déjà, quand ils font le vide, c'est le démon qui entre dedans. Donc, ne jamais être oisif. Il faut être toujours actif, même spirituellement actif par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la prière. Pensez ce qui est de Dieu. Que ce soit la passivité physique comme David était, ou la passivité et spirituelle, elle est dangereuse pour l'esprit humain. Notre esprit doit être meublé et nos pensées meublées de la parole de Dieu. Nous luttons, soit nous adorons Dieu, soit nous luttons avec la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons bien. Donc, on risque de succomber dans la tentation. Mon fils, Matthieu 26, verset 11, verset 41. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Amen. Que quand tu as beaucoup de victoires, fais attention. Tu pries pour le travail, tu as le travail. Tu pries pour la femme, tu as la femme. Tu pries pour l'homme, tu as l'homme. Tu pries pour les enfants, tu as les enfants. Tu as tout. Il y en a qui disent, moi Dieu m'a béni, j'ai tout. Mais je ne gère là, je ne gère plus. Tu vas voir ce que tu vas être dans 5 ans. Tu vas retourner en arrière. Un chrétien doit rester alerte. Et actif. Il y en a qui, ils savent que les personnes qui leur ont fait du mal, ils sont toujours avec eux. Mais parce que c'est un lien familial, c'est grande sœur, c'est petite sœur, tout ça. Donc quand tout est à calmer, ces gens-là viennent par malignité, s'approchent encore de toi. Toi, tu es encore gentil avec eux. Mais ils n'ont pas oublié, réellement. Les diables n'oublient pas ce qu'ils détestent. Les sorciers, les magiciens n'oublient pas ce qu'ils détestent. Ils déchargent tout le mal. Tu dois être alerte. L'alerte, c'est quoi? En obéissant à Dieu. La Bible dit que les enfants de Dieu se gardent des mal et ne les touchent pas. Et deuxièmement, comment? Dans la prière. Mon fils, lis-nous Matthieu 26, verset 41. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Le roi David, qui avait le Saint-Esprit sur lui, mais ignorait cela.
faut prendre les repos de David comme quand on parle de la guerre de David, nous le prenons comme une guerre spirituelle. Vous comprenez un peu? David, au lieu de rester à l'aide pour son combat de sa nation, il est resté distrait. Distrait au point où la chair qui était faible. C'est question de quelques minutes, hein? Il n'avait rien. D'abord, la première heure, et on va voir ça tout à l'heure, il était juste oisif. Et au lieu d'aller au temple, aller prier, évidemment, le tabernacle était déjà parti, au lieu de prier dans sa maison pour son armée, non, il est monté sur le toit, pensant à rien. Vous avez déjà dit, les gens disent, oh, j'ai ma nuit, attention à la nuit. J'ai ma nuit, je vais prendre un peu de l'air. De l'air pour quoi? Sauf pour louer Dieu. Sauf pour prendre le temps de prier. La charge de la nuit à la prière. Et une autre chose, quand il s'allonge dans le cœur, c'est aussi, ça peut être aussi un appel à la prière aussi. Parce que quand un danger t'arrive, Dieu t'avertit toujours d'une manière ou d'une autre. Imagine-toi que quand tu es dans la nuit, tu prends le volant, tu vas être concentré. Non, tu vas derrière, tes pensées vont te chambouler. Alléluia. Amen. Mon fils, dis-nous un peu. Donc, veuillez prier afin que vous ne tombiez avant. Quand l'esprit est bien disposé, la chair est faible. La chair est faible, elle est toujours faible. Même quand elle est devenue chrétienne, là, elle est faible. Elle a été crucifiée à la croix du calvaire. C'est toi qui la rends forte ou qui la rends faible. Tu as une vie de prière profonde, tu vis une vie qui craint de Dieu et tu luttes, elle diminue, elle perd son pouvoir. Mais si toi tu es distrait, tu dis, je vais me reposer. Hé, tout le monde ne va à la plage. Moi je ne suis jamais allé à la plage au Canada. Qu'est-ce que tu vas faire à la plage? C'est qu'est-ce que tu vas faire? L'eau salée là, c'est même pas bon. Hein? Quand tu vas à la plage, toi tu viens et puis tu arrives là-bas, tu t'aides tout le jeu dehors là. Hein? Mais tu rentres la soirée, tu vas te repartir tout le temps, ça sert à rien d'y aller. Hein? N'y va pas. Hein? Vous savez, quand vous êtes chrétien, Dieu vous a tiré du monde. Hein? Vous êtes dans un autre monde. Le monde là de nous ne vous appartient pas. Alléluia. Alléluia. Donc, David a succombé à la tentation parce qu'il a été oisif, parce qu'il était distrait, parce qu'il ne faisait rien. C'est pourquoi je vous dis toujours, soyez occupés. Même pas spirituellement, même socialement. Quand tu es occupé, tu fais quelque chose dans la vie, les tentations seront moins. Quand il arrive, il n'y a rien à faire là, mais c'est là où les gens vont jouer avec vous. Même les gens qui vont voler. Quand ils vont voler, parce qu'ils n'ont rien à faire. Vous comprenez un peu, mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Quatrième principe. À cause de l'oisiveté, ne rien faire, David a succombé à une forme de convoitise qui est commune à beaucoup de gens. La convoitise de quoi? De Dieu. Regardez. Ça là, ça fait partie de quoi? De ton corps. Ton corps qui est l'enveloppe de quoi? De ton âme. Dans ton âme, il y a quoi? Ta volonté. De toi là, à partir de ton âme, tu peux les diriger. Tu me dis non, je ne veux pas regarder. Vous comprenez un peu? David malheureusement a tiré la leçon après la chute. Il a sorti le psaume, ça a dit, je ne mettais rien de mauvais devant les yeux et la produit du péché de Satan. Il a tiré des leçons lui au moins. Pour nous aujourd'hui, merci Seigneur, merci roi David, au Dieu dans le ciel. Alléluia. Mais lui n'avait pas cette parole inspirée du Saint-Esprit. Les yeux font partie de toi. Donc, ton esprit appartient à Dieu. Ton âme appartient. Tu refuses, tu dis que je ne regarde pas, je ne regarde pas. Parce qu'aujourd'hui, là, tout est là. Même si tu refuses de regarder, il y en a qui vont marcher devant toi, faire ça. Hein? Dis au nom de Jésus, loin de moi. Vous comprenez un peu? Tu ne te laisses pas subjuguer par les choses. Tu dis au nom de Jésus, loin de moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et la conduite de quoi? Des pécheurs ne s'attachera pas à moi. Je vous ai toujours dit pour les jeunes, quand vous sortez de la maison, vous allez aux universités, au travail, prononcez ces paroles-là. Alléluia. Parce que David a succombé à cause de la convoitise de Dieu. 1 Jean 2, verset 16 à 17. 1 Jean 2, verset 16 à 17. Amen. Moi, j'aime ça. Vous l'aimez?
Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les diables, nous les frappons fort aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel les réprime. Il lui dit de tourmenter les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire. 1 Jean 2, verset 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Jean 2, verset 16 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui a fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia! Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. David a été, a succombé à deux formes de convoitise. La convoitise de la chair, c'est qu'il a la vieille nature, et puis la convoitise de yeux. Il a regardé, il dit, oh, une belle femme. Et cela, oh, c'est qui la belle femme? Et nous voulons avoir l'orgueil de la vie parce qu'il était roi. Il s'est croyé permis de beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu l'a repris sévèrement. Tous les trois convoitises étaient là. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Encore ma chérie, cette femme-là. Il a oublié qu'il avait Abigail, il avait Mikal, il avait Achinoam de Jisrael. Il avait des concubines de Saul. Juste, il est allé vers la femme d'autrui. Si tu veux mourir, prends les femmes d'autrui. Même toi qui ne pries pas, tu veux mourir, prends les femmes d'autrui. Tu ne vivras pas longtemps. Tous les mes amis, quand on grandissait, on appelait le beau gosse qui allait partir avec les jeunes qui ont connu les femmes d'autrui. Tous sont morts avant l'âge de 30 ans. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc David, allez, bien, toi aujourd'hui, toi tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le fruit de l'Esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. Tu dis, non, je ne regarde pas. Je ne toucherai pas ce qu'il y a autour. Je ne convoiterai pas. J'ai de toutes mes yeux de cette femme nue qui se lave là. Je ne veux pas regarder ça. Aujourd'hui parce que les femmes nues sont partout. Qui se lavent parce que des péchés. Les deux nues sont là dans la rue. Ils sont là pour la nuit. Vous les voyez, ils sont nus. Il y en a même qui se lavent, il y en a même qui veulent louer que nu. Ils n'ont même pas honte, mais vous êtes nus. Et vous savez, les jugements vont être sévères. Alors, les jeunes gens qui viennent en Christ, et attendez, Alléluia. Hein? Ça ne va pas là. Même les jeunes qui quittent chez lui à la prière, qui quittent chez lui à la maison, il vient à la prière. Lui, il est concentré. Mais le diable dit, oh, le petit n'est pas à la prière. Je vais lui mettre une béchave nue dans le métro. La béchave marche dans le. Non, au nom de Jésus-Christ. Madame, l'homme qui a décidé, moi je vais me mettre là. Moi je fais ça des fois. Ah oui. Mais pourquoi tu es habillé comme ça, toi? Oui, je prends de l'avance. Pourquoi je suis devenu noir, je dis, pourquoi tu es habillé comme ça? Pourquoi c'est une bonne chose, ça? Il n'y a aucune qui m'a dit, qui a répété. Ils ont compris. Il y en a un qui ont dit merci. Parce que des diables verbes, les gens. Les collants, là, c'est la nudité. Le collant, c'est la nudité. Pourquoi la nudité, c'est quoi? C'est. Ah, t'es le collant et la peau, qu'est-ce qu'il y a dit? Il y a une différence. C'est juste des tissus, non? Oui. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais du monde. Ça, c'est le monde. Pour qui on peut contacter cet enseignement pour nous aujourd'hui. Amen. Au lieu d'être en prière, au lieu de partir avec son armée, David était resté à ne rien faire. Se confiant à ses victoires passées. Oh, moi, je suis un grand chrétien. Moi, c'est des grands guerriers. Tout le passé, c'est une illusion chrétienne. Donc ce que tu as été hier dans la chrétienté n'est pas important. C'est ce que tu vas être aujourd'hui et demain que Dieu regarde. Parce que beaucoup ont bien commencé au mal, hein? Fini. C'est ma plus grande crainte. J'ai dit, oh, tout c'est des airs longs que j'ai passé, que je termine bien. Vous comprenez un peu? Retenez ça. On ne parle pas de la vie chrétienne hein, au passé. Ah, moi, au Cameroun, tu sais, moi, j'ai fait des pays de prière. Moi, j'ai dit non. Ici, est-ce que tu gères, tu pries ou pas? Hein? Non, non. Il y a beaucoup qui sont les héros dans le passé. Les héros dans le passé, la Bible, ça n'existe pas. Pourquoi? Mon fils dit, moi, avec Ecclésiaste 7, verset 10. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 7, verset 10. Amen. Ecclésiaste 7, verset 10. Ecclésiaste, c'est après Proverbe. Ouais,
Que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Alléluia! Ne dis pas que les jours passés sont meilleurs que ceux-ci. C'est pas par sagesse. Parce que la sagesse ne recommande pas de regarder le passé. David s'est reposé quoi? Sur cette victoire. Et il avait confiance aussi à son armée. Parce que son armée gagnait toujours. Il est resté cette fois-là, il resta à Jérusalem. Mais le soir, au lieu d'être en prière, ou pour l'armée gagner toujours, il a trouvé bien de ne pas prier. Il était calme, il était en repos. Nous comprenons bien aimé. Donc, les victoires passées ne vous protègent pas. Les combats que tu as gagnés hier, c'est passé hier. Les démons que tu as gagnés, c'est passé hier. Mais tiens, les démons d'aujourd'hui. Vous comprenez un peu? C'est pas que nous devons être tout en alerte. Tant que notre ennemi n'est pas encore envoyé dans le feu éternel, nous vivons sur cette terre. Nous luttons avec le Satan. Même si nous luttons dans la victoire, mais on doit lutter. Lutter dans la victoire ne veut pas dire ne pas prier. La Bible dit prier sans cesse. La Bible ne dit pas prier de temps en temps. Non, moi j'ai prié lundi, j'ai prié aussi vendredi. Non! Parce que tu es dans un monde hostile, tu es sur cette terre des hommes et Satan, c'est un ennemi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai dit à l'introduction, Uri fut plus conscient de la réalité et de la guerre que son roi. Il a refusé d'aller dans sa maison, disant simplement que tous mes amis sont en guerre. L'arche de l'Éternel est en guerre. Moi, j'irai dormir avec ma femme. Mais Uri ne savait pas que Dieu avait déjà vu le mal de David. Dieu voulait que David apprenne une chose. Ce n'est pas une chose à faire. Des fois, Dieu te laisse faire certaines choses pour que tu apprennes. Alléluia. C'est pourquoi, quand nous avons fait une faute, on se répand directement. N'attends pas demain, après demain, tout ça. C'est-à-dire que tu arrêtes de faire la chose. Tu demandes pardon et tu arrêtes de faire la chose. Alléluia. Uri était plus conscient du principe militaire que le principe militaire était plus important que les désirs corporels envers sa femme. La nation était plus importante que la relation avec sa femme. Mais en Afrique, on trouve des gens qui trouvent que les femmes sont plus importantes que les nations. Au Congo, en République démocratique du Congo. Les gens là, quand ils voient le sexe, tout, la tête est troublée, même s'il a 70 ans. Mais c'est pas normal. Des principes, c'est pourquoi, vous voyez les gens comme des Uri, je pense que sur Uri après, il avait l'amour de la nation, il avait l'esprit de sacrifice, c'était un vrai guerrier. Je ne touche pas. Il dit, pardon, le roi m'a dit, mais le roi même, Amnon même a dit vrai, mais... C'est pour vous dire, c'est maintenant, quand on vous enivre, et quand vous enivrez, vous insultez quelqu'un, vous l'avez déjà planifié d'insulter. Uri était enivré, mais il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Quand vous tombez pas, oh, il était ivre, il a insulté les gens, il était ivre, il a tiré sur les gens. Non, il avait déjà le désir de tirer sur les gens. Uri, là, David l'a enivré pour qu'il rentre chez lui, il a dû même donner un cadeau présent. Uri a dit, niette. Il est resté là parce que l'arche de l'éternel était. En guerre. Quel est ton amour pour le corps du Christ? Quel est ton amour pour l'Église? Amen. Quel est ton amour pour les autres? Ta chrétienté, c'est une chrétienté égoïste pour toi seul? Alléluia. Amen. On peut dire que Uri est mort pour la nation d'Israël, mais tué par son roi, pour qui les désirs charnels étaient plus forts que l'œuvre de l'Éternel. Ah, on le voit là, ah non, et il y a des passés qui enseignent. Ah, David est tombé à l'adultère parce que sa femme lui a refusé son corps. C'est faux, regarde-moi les décisions. Vous trouvez ça dans la Bible là-bas? Et ils ont 40 000 vues. Mais c'est n'importe quoi. Alléluia. Ils avaient les principes de Dieu. C'est pas un enfant de Dieu développe ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu est au-dessus de toi. Peut-être que les gens, quand vous mariez, ne soyez pas des gens qui disent, j'ai vu, hein, quand ils sont mariés, toute la vie chrétienne tombe. Oh, la vie chrétienne est plus forte quand vous êtes mariés, parce que vous avez réglé un problème. Hein?
personne, j'ai dit, mais que je ne vais pas avec cette personne, j'ai dit, mais dis-moi un peu. Toi, dis-moi, samedi, là, avant de venir chanter, là, j'ai dit, respect de passer de la maison de prière. Ici, on gèle. On se loigne de l'île conjugale. Toi, tu t'es loin de conjugal. Ah, pasteur, mais je suis marié. Je dis, regarde, moi, c'est genre, tu chantes plus. Hein? Ils ne comprennent pas le principe divin. Les sacrifices des chrétiens. Je paye ces prix-là depuis, je ne sais pas, depuis 92. Je n'étais pas un gros pasteur. Samedi, je me consacre pour Dieu. Quand je n'étais pas chrétien, je venais pour prier. Comme je suis en train de voir quelqu'un prier maintenant là, ici. Je viens pour me consacrer pour mon Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu ne développes pas la maîtrise de soi, mais, si tu tombes sur Jézabel, mais va jouer avec toi. Hein? Va jouer avec toi. Et tu vas voir ta vie chrétienne en train de chambouler. Si on est entre un seul, on n'entre pas à deux. On n'entre pas à trois. On entre un par un. Même si nous, on peut prier pour. Je suis appelé Cornée aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de salles qui se passent dans ma famille, c'est ici. Et donc même si on peut prier pour les gens soient sauvés. Mais au ciel, on entre seul, chacun avec son dossier. Alléluia. On retourne à 1 Samuel 14, je vais vous juste voir un peu les caractères du riz avant que nous continuions. Si c'est là où on va terminer aujourd'hui. 1 Samuel 11, verset 11, j'ai dit, Uri répondit à David, lâche et Israël et Judas habitent sous les tentes. Mon Seigneur Joab et les serviteurs de mon Seigneur, comme en rase campagne, donc en pleine campagne. Moi, j'entrerai dans ma maison pour manger, boire et coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste encore ici, demain je t'enverrai. Uri resta à Jérusalem ce jour-là. Et David invita à manger, à boire, après à sa présence. Il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour se mettre sous la couche avec les serviteurs de son maître. Mais il est descendu poil à sa maison. Je dis que la volonté, quand elle est ferme, même l'alcool ne peut pas dominer la volonté. Ta volonté est forte. Alléluia. Et l'élève de David écrivit une lettre et placez Uri au plus fort des combats. Retirez-vous afin qu'il soit parfait, qu'il est. Mais, alléluia, nous voyons, nous comprenons cela que, alléluia, sixième principe que nous voyons, mes bien-aimés, alléluia, sixième principe, si le mal, si on ne l'arrête pas, le mal, si on ne l'arrête pas, appellera toujours un plus grand mal. Notez-le, le mal que l'on fait, si on ne l'arrête pas, appellera toujours un plus grand, donc il grandira. C'est le principe que Jésus a dit, un peu de levain fait lever la pâte. Le péché grandit toujours. Les remèdes du péché, c'est la confession et la repentance. Donc tu arrêtes. Si tu n'arrêtes pas, il va grandir. Donc tu vas commencer à regarder comme David. Et puis tu envoies les militaires aller chercher la femme de Troy. Et puis tu arrives à commettre l'adultère. Et puis tu deviens malicieux. C'est-à-dire que tu commences à amener Uri pour l'enivrer, pour le faire, en disant, on dit, Colette, ça y est, beurre. C'est-à-dire que tu lui fais croire que la grossesse était de lui. L'homme, selon le cœur de Dieu, était perdu. Simplement parce qu'il n'a pas dit, je ne regarde pas. Vous comprenez ça? On est de plus facilement pour un péché. Je n'aime pas le mot bénin. Quand il est à son début. Après, ça devient difficile. David, ce qu'il devait faire, quand il a vu la femme, il dit, oh, la femme de Troy, je ne regarde pas. Oui, mais il n'a pas fait ça, il a regardé. Oh, oh, quelle belle. Oh, hein. Et puis, il a continué. Donc, nous, je vais expliquer ce principe-là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc, je disais que le mal ou le péché, quand on l'arrête pas, il va toujours grandir. Il appellera encore d'autres péchés. Ça va être plus compliqué. Le premier péché d'Ali, c'était celui qu'on a vu, c'était la convoitise des yeux. Alléluia. Ce jeu ont envie. La Bible dit que n'envie point. Alléluia. Devient envie. Bon, mon fils, lis-moi un peu Exode 20, verset 17. Exode 20, 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Exode 20, verset 17. Ouais. Tu ne convoites 3 points la maison de ton prochain, tu ne convoites 3 points la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf. Amen. Vous voyez que tu ne convoiteras pas hein, la femme hein, de ton prochain. Donc David a commencé d'abord par ça. Il avait la loi de Dieu. Mais il a convoité. Alléluia. Il a convoité. Il n'a pas dit non. Grâce au rendu à l'église, nous avons donné une bonne leçon, le psaume 101. Il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Mais cette fois-là, il a laissé les choses mauvaises à tes yeux. Tu ne laisses pas ces choses-là. Ah, tu es devant une vidéo. Dis, au nom de Jésus-Christ. Regarde, parce que des fois, tu fais tout, tu vois une histoire qui n'apparaît comme ça. Tu coupes ça au nom de Jésus-Christ. Ne coupe pas sans parler. Coupe, hein. J'ai dit au nom de Jésus-Christ sans effet. Ne coupe pas. Je coupe. Après, tu vas voir les films entrer la tête dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous parle. Tu dis au nom de Jésus-Christ. Ou quand même, tu vois, dans les rêves terribles de Moni, tu dis au nom de Jésus-Christ, c'est quelque chose. Tu ne dis pas, oh, ça ne fera rien. Si tu dis ça ne fera rien, ça va te faire. Parce que toi, tu n'as aucune puissance. C'est le nom de Jésus qui te protège. Vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y avait la convoitise hein, des yeux. Donc, il y avait l'envie. David, s'il avait arrêté à ce point-là, il ne serait pas allé plus loin. Ne sous-estimez pas ce que le diable peut faire à travers les yeux. La jalousie arrive par les yeux. L'envie des biens des autres arrive par les yeux. Les vols arrivent par les yeux. Alléluia. Il y a plein. Les meurtres même arrivent par les yeux. On va voir tout à l'heure. Alléluia. C'est pourquoi, des fois, il y a une prière que je donne aujourd'hui. Je vais aller chercher cette prière-là, des années 2000. Comment offrir tout son corps et ses organes à Dieu. J'ai encore la prière. Je vais chercher, je vais vous donner. Voyez un peu. Offrez tout ce qu'il y a à vous à Dieu. Dans la prière le matin. Ne soyez pas orgueilleux, ne dites pas que je suis fort. Non. Par la prière, offre-toi à Dieu. Tu verras que le diable ne te touchera pas. Alléluia. Amen. Même si tu n'es pas troublé par la chose. Il y en a d'autres qui ne sont pas troublés par ça. Mais offre-toi toujours à Dieu. David n'était pas trouvé par ça tout le temps. David n'avait pas cette vie-là. Mais cette fois-là, le diable l'attendait. Il a regardé, il n'a pas pu résister. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 18, mon fils. Alléluia. Donc David a commencé par la convoitise des yeux. Matthieu 18, verset 8 à 9. Ça, c'est la solution. Tu vois, les gens lisent là-bas, ils sautent ces versets-là. Ils sautent ces versets. Ils disent, oh, si moi je veux couper ma main, si moi je vais enlever mes yeux. Hein? Matthieu 18, alléluia, oui. 8 à 9, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Oui. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Le Seigneur nous parle de ça, beaucoup ne s'attendent pas. Ça veut dire simplement, arrête d'utiliser tes yeux pour les mauvaises choses. Ça ne veut pas dire, va t'arracher. Mais tu peux t'arracher aussi, c'est pas grave. Tu peux entrer au ciel aussi, hein. Tu vas plus voir. Dieu courageux, tu fais ça. Alléluia. Mais ça veut dire, ne regarde plus. N'obéis plus à ce que les yeux convoitent. N'obéis pas. Refuse ça. Refuse ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première erreur. Et puis vient maintenant l'adultère. C'est-à-dire, il va rechercher, il va prendre la femme. On lui a dit, c'était la femme des Uru, les Hétiens. Donc David, quand il va avec cette femme, il sait que c'est la femme hein, d'autrui, ce qui a énervé l'Éternel. Dieu est des gens qui veulent prendre les femmes des autres. Vous comprenez un peu? Alors, c'est-à-dire qu'il est allé, il a pris la femme hein, d'autrui. Et offensant la loi de Dieu dans Exode 20, verset 14, qui dit, tu ne commettras point hein, d'adultère. Troisièmement, comme il a fait la faute, et puis, vous savez que le diable, j'ai vu même voir les gens, même quand j'étais médecin dans le monde, faisant des IVG, des interruptions volontaires de la grossesse. Tu vois, déjà, tu vois, un ami qui est tout triste là, il est arrivé tout triste. Moi, je suis allé juste une fois, mon chien, la fille est tombée enceinte. Mais qu'est-ce que tu croyais? Hein? Mais c'est pareil, une fois, on tombe enceinte. Vous comprenez un peu?
Les diables, s'ils t'ont fait jouer, ils vont jouer avec toi. Alléluia. David, une seule fois, bam, Béchem est tombé enceinte. Donc, ça devient maintenant un problème pour lui. Maintenant, comme je dis, le mal appelle le mal, il fallait chercher maintenant à couvrir ce mal. C'est pourquoi j'ai dit, mais ma soeur qui ont volé les élections au Congo là, je suis certain qu'ils vont commettre des mauvaises, je vais commettre des crimes. Parce que le mal appelle le mal. Ce qui arrête le mal, c'est la repentance. Tu reconnais tes fautes, je dis, je ne fais plus ça. Ou tu remets ce qui appartient à autrui. Alléluia. Amen. David, maintenant, fait appeler Uri du combat pour. Et puis, il commence à. Il devient malicieux. Regardez-moi ça. Tu vois, le roi t'appelle. Tu sais, d'abord, c'est un honneur que le roi t'appelle. Tu es au combat, le roi t'appelle. Il retourne. Et là, David dit, il commence par d'abord s'enquérir comment ça se passe au combat. Hein? Mais il avait déjà un plan B, donc il est devenu un rusé, un malicieux. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas nous devons arrêter le mal quand il est de part, sinon nous deviendrons malicieux. Et la malice, pour celui qui est l'esprit de Dieu, c'est un trouble qui ne trouvera pas le sommeil. Vous comprenez un peu? Parce que cette nuit ne te laissera pas tranquille. Nous comprenons, mes bien-aimés, il est venu malicieux, après, il ça va comme ça se passe en guerre, et puis finalement, il lui fait un cadeau, et dit, il va dormir chez toi. Mais l'homme avait les principes d'un militaire. Il dit, non, les autres sont en guerre, là, je suis en guerre, je ne veux pas dormir chez toi. Alléluia. Donc, David est venu aussi flatteur. Alléluia. Il est devenu rusé, il a la ruse. Combien de péchés vous voyez déjà? Donc, péché de convoitise, d'adultère, de la malice, du mensonge. Les mensonges, dans la malice, il y a le mensonge, il y a. Et tout ça. Finalement, David commet quelque chose que la loi défend vraiment dans. Que Dieu n'aime pas. Beaucoup de gens n'aiment ça pas. J'aimerais dire ça pour les jeunes gens. Enivrer quelqu'un pour lui faire du mal. Enivrer quelqu'un pour découvrir sa dignité. David, maintenant, enivre volontairement Uri pour que Uri aille quand même chez lui. Pour que pour qu'on dise que c'est lui qui était le papa de l'enfant. Vous voyez un peu? Amen. Alléluia. Ça, enivrer mon fils, dis-moi un peu, Habakkuk 2, verset 15 à 16. Ne faites pas ça, jeunes gens. Chrétien ou pas chrétien, ne faites pas ça. Dieu tire par ça. Ou enivrer, ou mettre de la drogue dans un verre d'une fille pour en profiter. Dieu déteste ces choses-là. Et il y a certaines choses, quand vous êtes chrétien, n'osez pas le faire. Alléluia. Lis ça, mon fils, rapidement. Gloire à Jésus. Nous voyons là que le mal de David allait quoi? Grandissant. Parce qu'au lieu de se repentir, il continuait avec la foi. Quel verset? Verset 15 à 16. Habakkuk chapitre 2, verset 15 à 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Lis-le encore. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité, tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Et c'est ça qui arrive au roi David. Donc, non simplement, il est pas sa femme, maintenant, comment on peut dire à l'enivrant, ça va pas marcher finalement, c'était le maître. Prémédité au verset 15, dès Samuel 11, verset 15, il écrit, plaça Uri au plus fort du combat, retirez-vous afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Nous voyons là que le mal de David, sans repentance, est allé grandir ce qu'il a fait. Grâce à Dieu que David a fait cette erreur une seule fois, il a tiré des leçons qui bénissent les générations de générations. Le psaume 51 est venu de ça. Il y a plein de psaumes, psaumes 32 aussi, il est venu cela. Donc il a compris. Et que ça, il a compris.
quand Dieu est venu l'annoncer ce qui devait arriver, David a demandé pardon, Dieu l'a pardonné, mais Dieu n'a pas permis que cet enfant puisse vivre. L'enfant était quand même mort. Alléluia. C'est pour nous dire simplement que les mal, tu l'arrêtes quand il commence. Si tu contrôles tes yeux, tu contrôles ta bouche, tu contrôles tes oreilles, tu vivras en paix. Si tu contrôles tes yeux, tu contrôles ta bouche, tu n'attends pas, tu vivras en paix, tu n'auras pas la guerre de l'âme. Alléluia. Des fois, il faut soumettre tous ses organes à Jésus-Christ et le couvrir du sang de Jésus et être protégé. Alléluia. Amen. Donc, je disais, il y a un principe qui sortait hier, du plaisir non autorisé par Dieu vint la mort d'un vaillant homme de Dieu, un guerrier. Une petite erreur, un plaisir non autorisé de Dieu. Et quand Dieu le reprend dans 1 Samuel 12, Dieu dit ceci. Et le prophète Dieu lui dit, j'ai mis en ta possession dans la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. J'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Si cela était peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour enfermer ta femme. Lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison parce que tu as méprisé. Parce que tu as pris la femme du l'Hétien pour enfermer ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Elle qui cochon avec à la ville de ce soleil. Car tu as agi en secret, moi je le ferai en présence de tout Israël, de la face du soleil. Et David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan dit, l'Éternel, pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais l'enfant, mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui est né mourra. De l'enfant qui est né est mort. Simplement. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire, la leçon que nous tirons, c'est quoi? Septième leçon. Si on pêche, il faut avouer immédiatement et abandonner. Ce qui intéresse Dieu, c'est les repentants. Dieu n'est pas intéressé à la mort des méchants. Dieu sait que cet homme, l'homme, tout homme est pécheur. D'un homme, l'homme peut pécher. Mais il faut se repentir. Cesser de faire le mal. Alléluia. Pourquoi c'est? Parce qu'il y en a qui croient que c'est Dieu va me pardonner. Dieu, la Bible dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mon fils, dis-moi un peu, Michel 17, verset 18. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur, nous tous. Amen. Alléluia. C'est un grand encouragement pour nous. De voir quand tu vois le mal. La Bible dit, le sage voit le mal, il fait quoi? Il s'écarte. Tu ne vois pas comment. Mal. Hein? Tu t'écartes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Michel 10. 7. 7 verset 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés? Du reste de ton héritage, il regarde pas sa colère à toujours. Il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous nos pieds son iniquité. Il jettera au fond de la mer tous les péchés. Dieu oublie les péchés. Mais il faut être quelqu'un qui se répand. David, quand il a joué le petit jeu, et que maintenant son ami, Nathan, c'était un ami de David et un prophète d'Israël. Et bien, il lui racontait une histoire. D'un pauvre qui avait des brebis et que des riches qui avaient des brebis, la brebis du pauvre. Et puis David dit, cet homme-là méritait la mort. Son ami de regarde enfin, il dit, cet homme-là, c'est toi. Et puis, il s'est repenti. Il s'est repenti. Il n'a plus jamais refait la chose. Alléluia. Ta qualité d'enfant de Dieu ne cesse pas parce que tu as péché. Mais elle va être renforcée par ta repentance. Change, ne fais plus la chose,
Mets-toi debout et continue la course. Alléluia. On va voir, dans les cas de David, il y a certaines conséquences qui sont restées parce qu'il a tué Uri. Il dit, parce que tu as eu Uri, l'épée ne se relèvera pas de sa maison. Et l'épée était venue de la maison des enfants de David se sont entretués. Et son propre fils s'est levé contre lui. Il restait l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Faites attention. Ne jugez pas un serviteur de Dieu parce que vous voyez. Alléluia. Non. Un serviteur de Dieu reste un serviteur de Dieu. Si il a déjà été attesté qu'il est serviteur de Dieu, il devra serviteur de Dieu. Il va avoir certaines choses que Dieu va régler avec lui parce qu'il a fait certaines fautes. Mais il restera serviteur de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, comme enfant de Dieu, je retiens encore ici. Le but que je vais poursuivre dans l'enseignement d'aujourd'hui, n'ayez pas honte de confesser le péché, n'ayez pas et la force d'arrêter de faire le mal. Je ne fais plus ça au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est la force de ma vie. Je ne succomberai pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le psaume 32, verset 5 dit, David, en conséquence de son péché, il a attiré, il nous a donné beaucoup de leçons. Le psaume 51, vous le connaissez, et le psaume 32 qui dit, je t'ai fait connaître mon péché. Il commence au verset 1, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Quand le péché est pardonné, tu dois être joyeux. Pas. Mais il a déjà pardonné. David n'avait pas encore la grâce de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Aujourd'hui, là, c'est plus fort. Ce que Dieu te demande, sois sincère. Pleure sur tes péchés et ne renonce. Regrette ses péchés et renonce à cela. Alléluia. C'est pourquoi David dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, de l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Au verset 5, verset 5, je te fais connaître mon péché, je ne peux cacher mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Il a payé le prix, l'enfant est mort, il a payé bien une épée dans sa maison, mais il est resté là, mais selon le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. La dernière leçon de cet enseignement, je vais parler de la nudité de la femme. La nudité de la femme, c'est une nudité attrayante. Qu'on ne vous trompe pas. Quand nos premiers parents ont chuté et qu'ils ont eu maintenant la connaissance du bien et du mal, je vais parler d'Adam et Ève. Vous allez voir, mon fils, lis-moi Genèse 3, verset 21 à 22. Dieu les a recouverts, les a habillés avec des peaux des animaux. Si Dieu vous a habillé, pourquoi vous voulez dénuder aujourd'hui? Pourquoi vous voulez porter des habits qui ne sont pas différents de la nudité? Mais Dieu vous a habillé. Aujourd'hui, votre esprit est ouvert, vous connaissez le bien et le mal. Vous n'êtes plus innocent. Dis-moi, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas avec les colas, moi, je ne sais pas. Mais non, mais tu es sur le chemin d'enfer. Il y en a qui attirent la maladie sur leurs propres enfants. La Bible dit que les enfants ne verront pas la nudité de leurs parents. Mais toi qui as lieu nu, tes enfants te voient nus. Tu maudis les enfants sans le savoir. Et puis tu cherches qu'on puisse prier. Faites très attention. Je ne veux pas que ce message soit oublié beaucoup. Que les gens écoutent parce que c'est très important. Quand un enfant voit la nudité de son parent, femme ou homme, l'enfant est sous la malédiction inconsciente sans le savoir. Mais si vous n'avez pas l'intérêt spirituel de prier, vous allez chercher des causes ailleurs, mais vous êtes dans votre inconscience maudit. On peut être maudit inconsciemment, vous savez. Quand on est ignorant, Michael, on l'a vu, était maudit inconsciemment parce qu'elle avait ignoré ce que c'est. Comment? Elle n'avait pas apprécié la gloire de Dieu. Alléluia. Genèse 3, verset 21 à 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Connaissant le bien et le mal, tu connais? Mais pourquoi tu veux être là? Vous allez me dire aussi que
À Kinshasa, il y a un phénomène qu'on appelle le Ujana, dont les jeunes filles là ne portent plus de sous-vêtements. Elles se promènent nues avec juste une robe. 15-16 ans. Malédiction sur une nation. Vous comprenez un peu? Les diables, on ne joue pas avec. Donc, la nudité des femmes n'est pas une chose à exposer. Elle entraîne inexorablement au péché. Et la mort, c'est les désirs de l'homme. David, quand il est monté sur le toit, il ne savait pas qu'il allait voir une femme. Mais il avait juste une femme nue. Ah! On ne vous trompe pas. Si Dieu lui a habillé, Dieu sait pourquoi il est déjà dans sa vie. Béchéba n'était pas, on ne peut pas dire elle est innocente parce qu'elle s'est lavée dans son lieu secret, mais David s'est promené sur le toit. Innocemment aussi, mais il a vu la nudité d'une femme. Et ça a fait quoi? Avancer la convoitise. Un jour, j'appelle dans les magasins Super C, il y a un jeune haïtien là. Chaque fois que dans les magasins, lui, ses yeux sont juste derrière les femmes. Alors j'ai dit, mais jeune homme, toi, quand tu regardes comme ça, tu sais savoir quoi? Oh, je regarde simplement. Je dis non! Tu t'es fait souffrir pour rien, connais Dieu. Hein? Chaque fois, il regarde. Je dis, mais. Il souffre pour rien. Ben lui, il n'est pas. Il dit que Jésus, il n'est pas encore chrétien, il est encore dans les vaudous là. Même ça là, même si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas stable. Toi, chaque femme qui passe. Et si tu vas bien vivre, moi je connais des papas qui ont eu 5 femmes à l'air mort, c'est un désastre. Il est un trouble énorme dans la famille. Ils ont manqué la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Et on va terminer par cette leçon de la vie de David lui-même qui nous a donné après cette chute. Le psaume 101, verset 3, mon fils, tu vas lire ça et puis on va terminer par là. La cage est tombée. Gloire à Jésus-Christ. Psaume 101, verset 3. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Tu vas lire 3 à 4. Psaume 101, verset 3 à 4. Alléluia. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Amen. David, après avoir tiré des leçons de ses compatriotes, c'est là que j'aime de David, même pour son fils et Salomon, ils ont tiré beaucoup de leçons qui sont bénéfiques aujourd'hui. Juste avant que je ne termine. J'avais titré l'enseignement, j'avais dit, Béchéba, la faute et la miséricorde, ou l'erreur et la bénédiction. Vous savez que, après que l'enfant fut mort, David prenait Béchéba, consolant encore Béchéba, et puis l'enfant qui fut né, c'est le roi Salomon. Vous savez ça? Le roi Salomon. La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Des fois, on aurait souhaité que ce soit Abigail. On aurait souhaité que ce soit, mais c'est Salomon. Vous comprenez ça? Ça, on va voir ça dimanche prochain. Alléluia. On verra aussi dimanche prochain les conséquences de la faute de David. Allez, comment Dieu, quand il a tué Uri, Dieu a mis des paix dans sa maison. Vous comprenez un peu? Alléluia. Nous comprenons ça aujourd'hui. Et on va voir aujourd'hui comment les contextes aujourd'hui, qu'est-ce que pour nous aujourd'hui, les malédictions peuvent encore être là ou pas. Je vais juste vous annoncer une bonne nouvelle. Car à la croix du calvaire, Christ s'est fait malédiction pour nous. Donc ne dis plus qu'il y a des malédictions sur toi. Brise et renonce à ces choses. Brise cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme Dieu avait habillé, j'étais venu par ça, Adam et Ève, soyez habillés correctement. Ne faites pas de votre corps un objet de distraction des hommes. Dieu n'a pas créé la femme pour être un objet de curiosité des hommes. Non. Dans la sainteté, hommes et femmes, devant Dieu, nous sommes égales. Tu crains Dieu, tu vas au ciel. Tu ne crains pas Dieu, tu vas à l'enfer. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui sur l'erreur de Béchéba et la bénédiction qui est venue par Béchéba. Père, nous te rendons tout simplement grâce pour les leçons tirées
laisse-nous comme notre père David tirer les leçons au père. Oh, de nous réveiller, de nous repentir constamment et de ne plus retourner à ces choses au père. De ne rien mettre devant nos yeux au père. Tout ce qui est mauvais soit éloigné de nous et de tes enfants. Père, nous te disons merci. Te rendons tout simplement grâce encore une fois au père. Que tout ce qui est de la convoitise des yeux, de la convoitise du cœur et autre forme de convoitise ici, je le cas brisé au nom de Jésus-Christ. C'est le terrain de grâce. Nous avons écouté la vérité. Elle nous a affranchis. Laisse tes enfants marcher en nouveauté d'esprit au Père. Te craignant, ô Dieu de grâce. Père, nous te disons merci pour la force que tu as mis en nous de le faire. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia.